Ah ah, tu ne sais pas l'heure qu'il est. Bienvenue dans ce vlog spécial convention. Je suis en train de packer mes affaires ainsi que Clem. On va prendre la route. Je filmerai pas beaucoup sur la route parce qu'on a des covoitureurs et je vais pas filmer des inconnus. Je filmerai quand on sera arrivé à Fréjus. On a 4 heures de route avec une petite pause au milieu peut-être pour manger et ça ira. Donc on se retrouve sans doute à Fréjus. Je vais aller me coiffer tout de suite. What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. Ouais bon, 20h14, on est arrivé au Kyria de Fréjus. On va aller rejoindre le monde à l'envers qui nous attendent pour aller bouffer. D'ailleurs, il faudrait, au lieu de vlogger comme ça, il faudrait que je fonce. La route s'est bien passée, on s'est arrêté pour manger, c'était un peu long. On est passé devant un lieu que je n'ai pas filmé mais qui sera sujet d'un curiosity puisqu'il y a un des gars du Blablacar qui nous a expliqué un truc super intéressant dessus. C'est plutôt particulier comme histoire, je ne sais pas s'il y a grand chose à dire dessus mais ça peut être quand même sympa. Bref, je vais vous vlogger sans doute un petit peu pendant qu'on mange avec eux et puis sinon je filmerai la chambre d'hôtel parce que j'adore ça. Ah, mais je vais la filmer maintenant en fait puisque je vais aller poser mes affaires. On va voir à quoi ressemble l'hôtel. Bon, la chambre du monde à l'envers ici, et nous on est là, la chambre 06. C'est complètement flou, c'est en mode rien à foutre quoi, voilà. Bon, alors franchement, on m'a dit 3 étoiles, mais bon. Bon. Et est-ce qu'on a une vue? Oui! Oh, sur le parking et la route, c'est tellement beau. Nous, faut qu'on aille bouger la voiture. Bah, ouais. Comment ça, nous? C'est toi qui vas bouger la voiture. Il n'y a même pas de clim. 3 étoiles et il n'y a pas de clim. Mais pas du tout, il n'y a pas de contrôle de température. On va voir au resto. Regarde. Pourquoi il faut toujours... J'ai pris ma carte. Quelle carte? La pauvre vite, dès qu'elle voit la carte. Il croit que c'est une photo. C'est lui. T'en mets du temps à faire des photos, toi. Ouais, mais je sais plus comment on l'utilise. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Bonjour. Je suis un petit peu en style. Je suis un youtubeur de droite. Je lis le Figaro. La mise au point, non, elle est pas tactile, la mise au point, si. Ah, vas-y. Si, si, elle est tactile. Ah, ça, c'est bien. Oh, et du coup, ah oui, et ça, c'est pratique, tu peux te voir. C'est vrai. Ça, c'est le truc des mars aussi. Salut, c'est Pierre Cross. Le petit Romain qui lit ce journal. Oh, je vote Sarkozy. Le Figaro. Ah, je fais. Ah, je pense que vous êtes allé trop près, monsieur. Ouais. Alors d'ailleurs, demain soir, oui, ça vous va si on prend la voiture de Clay et on se trouve un resto en bord de mer? Oui, oui, parce oui. Que là, oui. Hein. Oui. Oui. Oh, ça m'a. C'est ça. J'ai vu la route. Vous êtes. À la fin, je voyais. Vous êtes Cyprien. Je pense que c'est pas un peu. Incroyable de vous voir, en vrai je peux faire la liste. Oh mais non, je peux voir trop, j'en fouche. J'ai pas de... Mais en fait... Juste la liste. Oui. Non, arrête. On dirait un enfant qui est content de revoir. Ouais. Il mange au lit, oh... Si ça c'est pas 3 étoiles, je sais pas voilà, ce que c'est. Bah génial, vas-y, il va nous foutre la fumée partout. C'est de la vapeur. C'est de la vapeur, donnez crainte. Tu veux manger un peu, mais là, il Les... Mais tu vas manger, oui! Installez-vous, hein. C'est trop bizarre. C'est vrai, c'est ce siège, il est réservé. C'est H3, PW3. C'est ok. Attends, c'est quoi le nom? C'est Valentin Jean. Mais attends, je rêve ou tu fais? C'est facile, ça fait chambre noire, passe-toi H3. Ah oui. Mais ah.
Ils ont descendu leur plateau repas, on est tout seul dans leur chambre. On leur vole les affaires. On va piller leurs valises. Moi je veux bien les lunettes de soleil. Alors un t-shirt Star Wars, d'accord, pas mal le monde à l'envers, hein. Regarde. C'est les lunettes de Val, ça. Someone call it. Ok, alors qu'est-ce qu'ils ont là? J'ai vu qu'ils avaient des petits produits de bain là. Ouais. Alors ils se lavent avec quoi? Ça, on pique. J'adore ça. Ça, on prend, vas-y. Du ouais. Schwarzkopf. Non, mais glisse, il y a du silicone là, c'est de la merde. Ultimate Repair. Et du dope. Du dope à la vanille douce. Et ça, c'est quoi? Mais ça, on a ça. Ça, on en a ça, des fragrances. Ouais. Bon, sinon, ça, c'est mon débardeur. Ça, c'est une chemise aléatoire. Ça, c'est un sac Chewbacca. C'est Chewie. C'est trop mignon. Moi, je voudrais le même avec un paresseux. T'as vu, hein, tu te dis, il y a une fenêtre, mais non. Ah ouais. Il y a des caméras. Merde, on voulait lui dire. On peut pas se tromper d'un coup. Il a pris Chewbacca. Il fait très beau. On va petit déjeuner après. Mimi, elle fait son café. Et moi, je vais me doucher. On va partir à la convention, on attend le chauffeur. Alors il paraît que le chauffeur nous emmène quand on veut et nous ramène quand on veut. C'est pas vrai. Si. C'est tellement beau, on se croirait en bord de Méditerranée. Ah mais on est en bord de Méditerranée. Tout ouais, comme Cyprien et tout, ils sont pas connus par rapport à... Non. Cypri quoi? C'est, je sais pas, on Cyprine. On connaît pas Cyprine. Ils ont acheté des abonnés. Ils ont acheté des abonnés. Faux, c'est des robots. Nous on a que les vrais non, et du coup on est les plus connus de YouTube. C'est vrai? Mais tu fais pas ça hein. Merde. Allez, à la Mangame Show! Enfin, c'est joli, c'est pas très bien indiqué, mais c'est grand. Enfin, je pense que ça va être sympa. On est en face de Michael Kudlitz, pour ceux qui connaissent Walking Dead, et on attend les gens qui font beaucoup la queue dehors. Pourquoi ils ont quoi mes mains? Ils sont pas pleines de graisse? Non, j'ai un gel de pour mains. Tu te trompes dans l'eau avant de le serrer. C'est la première fois que je suais du nez, quoi. Ouais. Non, c'est pas mort, en fait. Pourquoi ils sont partis? Ah, là, là. Oh là là, la mer, j'ai filmé la mer. C'est trop beau la mer. Mais c'est pas possible, on peut pas ne pas se baigner, non, non, c'est pas possible. Franchement. Au moins les pieds, ouais, bah ouais, c'est ça. On ira peut-être se baigner, je sais pas. On va voir ce qu'on mange. Il y a des moules. Alors,
lapin par mort. Je suis fan de vous. Mec bizarre, tu sais, il reste comme ça. Vous pouvez parler encore s'il vous plaît. Pas les degrés sur ma montre, mais il doit faire au moins 40-41 à l'intérieur. C'est horrible. Je suis pas concentré, j'arrête pas de crier, ça me fait mal à la gorge. C'est un gros point noir, ça. Là, je me pose et après, faut y retourner. Je pose mais dehors cette fois-ci, il fait bien meilleur. À 18h on va sur scène avec Chris. Question réponse, ouais. Je vlog mais je peux pas parler, j'ai trop mal là. Pareil, mais moi je suis un petit peu psychopathe donc je vais retourner. Question réponse. Bonne dédicace, à tout à l'heure. Très bien, et maintenant on place en tête de toi Romain. Pardon, non. Ah, il s'aime trop le gars quoi. Ah, comment Romain Titain, il s'aime. Ah, on va manger des moules. Ah, tu vas sacrément manger des moules. Ouais. On va manger des moules sans Pierre Cross. On est attablé, on a le joueur du grenier à côté, je sais pas, en face c'est sa chérie. Et les deux là, toujours les mêmes. Ah, d'accord, on s'accueille. Voilà. Et après on va se baigner. Je me suis acheté un short. Enfin Clémence m'a acheté un short. Un short de bain. Pourquoi? Pourquoi? En 16 ans. Je voulais pas de moule. On va se baigner. On a commencé comme ça. Non, avec super flamme. Si ça a dérivé. Si. Non, bon, d'accord. Alors on dirait pas comme ça, mais il fait très nuit. Regardez, ils sont là-bas là. C'est le monde à l'envers, mon ami, on est tous à poil. Je ne sais pas comment réagir. Non mais c'est pas grave, regarde, bientôt plus de batterie. Coucou. Yeah. Salut les fans. Il est l'heure de dormir. On a bu un petit thé avec Jen, Valentin et Chéri. Et là on va se coucher dès que je parle. Ça fait mal. Là. Demain je vlog. Vous avez vu, on s'est... Ah, vous avez pas vu, je suis con. On s'est baigné. Je vloggerai, je pense, si je me rebaigne demain. On s'est bien baigné. L'eau était plutôt bonne. On voyait rien, il faisait nuit. C'était trop cool. Il y avait un côté un peu excitation, genre les dents de la mer. Enfin, c'était chelou parce qu'on voyait rien sous l'eau. C'était un peu... C'était rigolo. Franchement, moi, j'ai bien aimé. On va faire dodo parce qu'il est minuit passé et demain, ça recommence.